Tiki est une jeune entreprise innovante qui permet d'utiliser les données existantes de ses clients pour détecter et cibler les économies d'énergie sur des grands parcs immobiliers. Donc, les caractéristiques principales de DeepKey, c'est une très forte composante data, comment exploiter toute la donnée qui existe, dans un objectif très précis, massifier la détection d'économies d'énergie et faire avancer la transition énergétique. Quand vous êtes un grand acteur immobilier, que vous avez 100, 200 bâtiments, vous avez du mal à comprendre votre facture d'énergie et à savoir quels sont les sites sur lesquels il y a les meilleurs potentiels. Et donc, à partir de la mise en place de la plateforme DeepKey, vous allez comprendre votre parc immobilier, ses consommations d'énergie, ses équipements, ses caractéristiques, ses activités, et vous allez pouvoir, en quelques clics, détecter et cibler les meilleurs potentiels d'économie d'énergie. On utilise des technologies data qui n'étaient absolument pas utilisées dans le domaine de l'immobilier énergie, qui est un domaine assez technique et peut-être un petit peu ancien, qui utilise des techniques manuelles, on va dire. Et donc, on vient un petit peu bousculer et révolutionner la façon dont gérer des grands parcs immobiliers. DeepKey, c'est un mélange de trois fibres. Une fibre, effectivement, environnementale et transition énergétique. Donc, il y a un vrai sujet de fond chez DeepKey. Mais c'est également deux fibres, la complémentarité entre la data et l'efficacité énergétique. Et ça se reflète dans l'équipe. Dans l'équipe, il y a des gens qui s'occupent de la data et il y a des gens, au contraire, qui sont des experts de l'énergie. Et c'est bien cette complémentarité qui fait que DeepKey est unique. Alors aujourd'hui, on est 28 personnes chez DeepKey, qui sont des profils donc, liés aux chefs de projet, des experts de l'énergie, des data scientists, des développeurs. Et c'est cette complémentarité qui fait qu'on a une équipe vraiment extraordinaire. Quand on a démarré, on n'était que deux, évidemment. Donc depuis 2 ans, on a bien grossi.